allez toutes et tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'imagine, pour un petit haul action. Mais tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Si le cœur vous en dit de partager les vidéos, c'est avec plaisir. Et je sais que vous êtes nombreux, c'est un grand mot, mais quelques-uns, quelques-unes, à vous abonner à ma chaîne. Et j'ai noté une nouvelle abonnée qui s'appelle donc Céline Dufour. Je voulais te remercier pour ton abonnement, ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Après, il y a peut-être d'autres personnes qui s'abonnent, mais je n'ai pas forcément les notifications parce que sans doute que votre compte est en privé et pas en public, ce qui fait que je ne vois pas forcément votre abonnement. Ne m'en voulez pas, c'est pas ma faute. Donc voilà, alors je vais être claire avec vous, il fait une chaleur d'enfer. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais ici, dans le sud, en Ardèche, ça y est, c'est bon, l'été est là. Je ne sais pas d'où vous êtes, dites-moi en commentaire d'où vous êtes et quel temps vous avez, parce que je sais que cette année, l'été, il n'est pas le même forcément pour tout le monde en France, à l'étranger, je ne sais pas. Mais voilà, il fait super chaud, le ventilateur n'est pas dans cette pièce, donc flemme de le débrancher, de le déplacer, bref. Je ne vais pas non plus m'attarder trop longtemps dans cette vidéo, parce que sinon je vais finir par fondre. Bref, c'est parti, je commence tout de suite. Donc j'ai mon petit ticket de chez Action. Alors, on va commencer comme ça. Alors, j'ai acheté une boîte. Parce que j'ai des petites bricoles à ranger, c'est dans des cartons et je trouve pas ça top comme rangement. Donc je me suis décidée et je suis allée acheter des boîtes en plastique. Je pense que tout le monde connaît ces boîtes là. Donc voilà, celle-ci, je ne sais plus combien de litres, elle fait 24 litres si je ne me trompe pas. C'est ça, elle fait 24 litres. Et donc, je l'ai payé 3,99€. Voilà. Ensuite, donc on y est. Parce que, alors, pour une fois, je vous dis, pour une fois, vraiment, c'est pas une blague, je suis allée chez Action, et en partant de chez moi, j'ai pris un sac pour mettre mes courses, mes affaires. Et puis, j'avais noté ma petite liste qu'il fallait des boîtes. Et une fois que j'arrive en caisse, je me dis pourquoi j'ai pris un sac. Je vais tout mettre dans les boîtes. Voilà, pour une fois que je pense à prendre un sac avec moi, et ben j'avais pas besoin. Voilà. Donc, non, je vais mettre là. Je me suis acheté également des mouchoirs. Parce que, mine de rien, j'en ai quand même besoin. Et on a fini le paquet qu'on avait. Donc j'ai repris les mêmes, j'ai repris les Kleenex. J'aime bien cela parce que du coup, vous ouvrez ce côté-là et puis vous vous servez. Enfin bref, vous connaissez le système. Donc à l'endroit, c'est mieux. Dedans, il y en a combien? Je ne sais pas. Et je ne sais pas. Non, je crois que c'est pas écrit. Bref. Deux paquets de mouchoirs de la marque donc Kleenex, et donc c'était 89 centimes l'unité, donc j'en ai pris deux pour avoir un paquet d'avance et être tranquille. Voilà, je vais le mettre là. Ensuite, je me suis pris une petite mais trop mignonne petite boîte comme ça. Alors vous allez dire, et qu'est-ce qu'elle va pouvoir ranger dans un truc aussi petit? Enfin, c'est petit. Ça fait quand même la... ça fait quand même la taille de maman. Ouais. C'est pour mettre, en fait, mes petites barrettes, petites pinces et les petits élastiques. Parce que dans la salle de bain, j'ai fait un rangement et... tout ce qui était chouchou
gros chouchous, je les ai mis dans des petites boîtes, c'est pareil, et puis des petites boîtes en plastique. Et tout ce qui est rose pinces pour mes cheveux dans une autre boîte, ça fait un peu plus rangé, ça fait un peu plus ordonné. Voilà. Et donc, tout ce qui est petit élastique ou les pinces et les barrettes, c'est dans une boîte, mais si vous voulez, c'est une espèce de boîte en genre en boîte coffre au trésor. C'est un peu ce style-là. Et bah, c'est pas terrible. Donc voilà. Puis à chaque fois que je suis obligée de l'ouvrir et chercher ce que je veux, là au moins c'est déjà ouvert. Je perds pas mon temps. Moi j'aime les choses rapides. C'est comme mes chaussures. Je préfère hop, glisser mon pied dedans et hop, c'est parti. Donc cette petite boîte, elle était au prix de 62 centimes. Voilà. Je crois que j'avais pas vu ça comme prix, mais c'est encore mieux parce que du coup, je crois que j'avais vu un truc du genre 90 centimes, un truc comme ça. Mais je me dis 90 centimes pour une si petite boîte, c'est un peu cher. Alors, ensuite, alors ça va être compliqué de vous montrer, mais je vais essayer. J'ai acheté une deuxième boîte, les plus grosses. Voilà. Celle-ci, elle fait donc 60 litres, vous le voyez, c'est écrit ici. Voilà, avec le couvercle qui va avec. C'est pareil, le couvercle, il est inclus dans la petite. Voilà pour ça. Celle-ci, donc je vous ai dit, elle fait 60 litres et elle était à 8,80 8,79 € pardon. Voilà, c'est pareil, c'est pour ranger le bureau. Voilà. Bien sûr, j'ai le sac que je n'ai pas utilisé. Voilà. Alors, ensuite, nous avons. Alors, ce n'était pas. Comme toujours, j'avais fait une liste de choses qu'il me fallait. Et forcément, je n'ai pas. J'ai acheté ce que je n'avais pas noté. Et j'ai oublié d'acheter des choses que je n'avais pas noté aussi. Bref. Enfin, j'entends une action, quoi. Tout ça pour dire, je me suis acheté un gel douche de la marque Cadom et celui-ci, il sent la fleur de cerisier. Ça sent super bon, j'adore, ça sent super bon. Et ça dit, bon après je sais pas si vraiment vraiment ça le fait, mais ils disent effet peau de bébé. Enfin voilà. C'est un format de 400 ml. Et donc ce petit gel douche, il était à 1,98 €. Donc voilà pour ça. C'est une vieille marque, je crois. En plus, Cadom, ça existe depuis belle lurette. Hein. Qui dit encore ça? Belle lurette. Ah. Ensuite, donc du coup, pour compléter ma gamme de pinces à cheveux, et ben, je me suis acheté donc des pinces à cheveux. Voilà. Il y en a 4, 5, 6, 8. Il y en a 8 à l'intérieur. Elles sont toutes noires. Je voulais aussi des barrettes. Mais alors, moi, j'aime pas les trucs trop pimpants. Les trucs qui se voient à 1 km. J'aime pas ça. Et ben, c'est que des grosses pinces. Ou alors des toutes petites. Donc, pas ce que je veux. Il y en avait aussi, mais c'était vraiment trop. Il n'y a besoin que 2, 3, 4, 5, quoi, c'est pas. Voilà. Donc, bref, j'ai au moins trouvé des pinces. Voilà. Et alors, les petites pinces, il y en a. C'était à 1. Je vais y arriver, il fait trop chaud. C'était 95 centimes les pinces à cheveux. Que, devant vos yeux ébahis, je vais mettre de ce pas dans la petite boîte. Voilà. Comme ça sera fait. Et vous voyez l'action en direct. Toc. Ah, par contre, je pense qu'elle va être vite remplie en fait. La boîte. C'est déjà deux pinces. C'est déjà pas mal. Et une fois que j'aurai mis tout ça, et ben. Et eh bien, il n'y aura plus beaucoup de place. Qu'est-ce que je peux dire en attendant? Je ne sais pas.
Je me suis. Alors, c'est pareil. Donc, je suis allée chez Action. Et en y allant, je me suis dit, oh, je vais me prendre du vernis. Et puis, une fois que je suis sortie d'Action, je suis allée faire des courses après chez Veto. Et une fois là-bas, je dis, oh mince, j'ai oublié d'acheter du vernis. Donc, du coup, je l'ai acheté chez Netto, le vernis. Forcément, le prix n'est pas le même. Mais bon, j'aime bien la couleur. C'est plutôt joli. Bon, je suis pas très douée, hein, mais. Voilà. J'en mets rarement du vernis. Très rarement. J'ai rarement les ongles aussi longs. Je sais pas si. J'ai rarement les ongles aussi longs. Ça va pas durer longtemps, je vous le dis. Mais ça fait joli. Je me suis dit, c'est l'été, soyons fous. Voilà. Donc voilà mes petites pinces dans ma petite boîte. Et je rangerai le reste tout à l'heure, une fois la vidéo terminée. Donc ensuite, passons à ceci. Alors, j'ai été fortement influencée par ceci. Eh ben non, j'allais vous montrer quelque chose, mais ce n'est pas ça. Vous allez patienter encore 2 petites minutes. Je vais passer après, parce que il y avait ça aussi. Mais en fait, vous allez me dire, c'est la même chose, parce que, enfin, c'est la même chose. Est-ce que c'est la même Non, c'est pas les mêmes marques. Bref, j'ai acheté ceci. C'est un parfum de linge. C'est un peu la même, comment dire, la même inspiration, le même délire que tout ce qui est les nords, tout ça, voilà. Vous avez les perles, non pas les perles de bain, non, les perles, les nords que vous mettez dans le lave-linge pour parfumer votre linge. Et là, ça fait, c'est la même gamme en fait, sauf que c'est liquide et donc c'est de chez Action. Et c'est pareil, je l'ai vu sur la vidéo de. Alors je l'ai vu 2 fois ça. Je l'ai vu passer 2 fois. Au bout d'un moment, je me suis dit, ça me fait envie quand même. Donc je l'ai vu sur la chaîne de Aurélie. Et je l'ai vu sur la chaîne de. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Delphine, mais je ne sais plus c'est quoi son. Ladyblog. Voilà. Donc toutes les deux, elles ont montré, elles disaient ça sentait bon et tout, nani, nana, voilà. Hein? Quand on vous parle d'un truc, vous l'entendez parler de partout, partout, partout. Au bout d'un moment, ben, hein, vous êtes tenté. Et puis voilà, j'ai craqué. Et ils sont bons, c'est vrai qu'ils sont super bons. Donc voilà, j'ai acheté ceci. Voilà, tout ça pour ça. C'est un format, par contre, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, de 400 ml. Voilà pour ça. Et ça m'a coûté 2,49 €. Moins. Je vais le mettre là. Non, pas là. Ben vas-y, fais tomber tes pinces. Ensuite, donc là, encore une fois, c'est pareil. J'ai été fortement influencée. Je suis désolée, on entend les pompiers. Parce que la caserne est juste à côté de chez moi. Voilà. Donc, j'ai été influencée par ceci. Enfin, par Aurélie, par ce produit qui n'est autre qu'un désodorisant d'intérieur. C'est marqué dessus, c'est marqué parfum d'intérieur. Voilà. C'est comme le porte-à-lui, c'est marqué dessus. Et alors? Et alors? Maintenant que je viens de ressentir le bouchon. Parce que du coup, je suis désolée. Mais moi, quand on me dit que ça sent tel et tel parfum, je suis obligée d'être curieuse et de savoir si c'est vraiment le cas. Parce que comme le dit Aurélie dans sa vidéo, bien souvent, vous regardez les vidéos sur TikTok, les gens ils vous disent c'est le dupe de tel ou tel truc, machin et tout. Et puis au final, pas du tout. Donc je me méfie un peu. Donc j'ai senti en magasin. Voilà, tout ça pour dire ça. Et effectivement, c'est un truc de dingue.
Il sent exactement, mais vraiment exactement, parce que j'aime bien ce parfum et je voudrais l'acheter, mais c'est exactement le même parfum. C'est Alien de Thierry Mugler. Et en cas où que vous me croyez pas, et vous me direz en commentaire si vous êtes OK pour ça, mais si ça vous dit un jour, je vous fais une vidéo où je vous montre tous mes parfums. Parce que si vous voulez, j'aime les parfums. Voilà. J'ai tout ça, tout ça. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous dit qu'un jour, je vous montre ma collection. Mais quand je vous dis vraiment que ça sent vraiment Alien, c'est une dinguerie, franchement. Et du coup, elle disait dans sa vidéo que ça tient pas vraiment longtemps, mais si vous voulez, en fait, je vous fais cette vidéo, je tourne la vidéo. On est samedi 20 juillet. Ou 21 juillet. Je ne sais plus exactement, je suis désolée. Et je suis allée chez Action le matin. Et là, je vous tourne la vidéo l'après-midi parce que, il faisait tellement chaud que, voilà, j'avais pas la foi. Et j'étais fatiguée, j'ai dormi un peu. Voilà, je vous raconte ma vie. Voilà. Et donc du coup, depuis ce matin, eh ben, j'ai fait comme ça dans le magasin pour sentir l'odeur. Et ça sent toujours, franchement. Alors peut-être que l'astuce, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Peut-être que l'astuce, ça serait du coup de le diffuser chez vous, mais de le mettre sur les rideaux ou quoi. Et peut-être que ça gardera ça maintiendra le parfum un peu plus longtemps. Donc, tout ça pour vous parler de ceci. Et parce qu'il y en avait plusieurs. Donc il y avait celui, le bleu, retenez bien si vous voulez, le bleu. De toute façon, ça n'est pas compliqué parce que je crois que le flacon de Alien, il est bleu aussi. Ou vieux, non, il est violet, violet, il est violet. Mais bon, voilà, bleu, violet, c'est dans le même délire. Donc vous avez celui-là, le bleu. Vous en aviez un blanc, mais je ne l'ai pas trouvé terrible, terrible. Et vous aviez celui-ci, qui est dans les tons un peu marron-violet parce que c'est un peu violet sur le côté là. Et c'est pareil, je trouve que ça sent super bon aussi. Alors, je ne saurais pas décrire ce que ça sent, mais ils sont bons, j'aime bien. Là, il parle de. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Parce que là, ils disent Mysterious Amber. Alors, mon anglais très basique, je pense, veut dire. Ambre mystérieuse. Donc, bon, je ne suis pas très très calée en anglais, mais voilà. Moi, c'est ce que j'en déduis. Par contre, il y a écrit Indulge in luxury. Par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Et donc, celui-ci, c'est marqué Warm Bouquet. Warm Bouquet. Non. Là, mon anglais. Non. Et Rusty Diala, Dahlia. Alors, ça sent peut-être la dahlia, la fleur, mais on n'est pas assez pour savoir si c'est vraiment ce parfum-là. Mais je trouve qu'ils sont bons. Voilà. Vous avez besoin de faire confiance. Et donc, c'est parfum d'intérieur et c'était à 1,98€ l'unité. Et pour finir cette vidéo qui a duré un peu plus longtemps que d'habitude, je trouve, parce que j'ai beaucoup blablaté, je suis désolée. Alors, je vais essayer de vous le sortir, mais alors, du coup, il me fallait du lave-glace pour ma voiture qui, je pense, est à la fin du bocal parce que quand je vais en mettre, ça a du mal à venir. Donc, liquide lave-glace, il y en a pour 5 litres dedans. C'est mieux si je vous montre, mais c'est super lourd en fait. Waouh! Donc, c'est spécial été, donc tout ce qui est moustique et tout le tralala. C'était, alors attendez, s'il vous plaît, 1,87€. Il y a 5 litres dedans qui est. Voilà. Vous allez chez Noroto ou Rodi machin, c'est beaucoup plus cher que ça, il me semble. Donc, merci Action. Avec, remarque, vous allez me dire, à 5 litres, on ne passe vite qui est. Et puis moi c'est pareil, j'ai changé mes essuie-glaces et tout
fin de l'hiver, je crois, à peu près par là, début printemps. Et avec les pluies qu'on a eues, mais alors j'ai l'impression qu'ils sont déjà déglingués. Bref. On finit là-dessus. Voilà. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je suis désolée si vous n'aimez pas que je blablate. Mais voilà. J'avais des choses à dire, ok? Donc j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me mettre un petit commentaire. Comme vous savez, je suis toujours très contente de vous lire et je vous réponds avec grand plaisir. Moi, je vous laisse là. Et je vous dis dans une prochaine vidéo, j'ai fait des petits achats, mais vraiment rien de fifou pour les soldes. Donc je ne sais pas si je vous tourne une vidéo ou pas. Parce que vraiment, j'ai pas fait de folie. J'ai été très sage. Voilà. Bon allez, moi je vous laisse là. À bientôt. Bye bye.